Oui, famille, comment vous allez? Aujourd'hui, comme ça, j'ai décidé de venir voir le prix des Nutella. Voilà. C'est-à-dire que on dit que chez nous, c'est nous produisons le cacao. Mais je trouve que ici au Maroc, le prix est plus moins que chez nous là-bas. Supposons qu'il y a en Côte d'Ivoire là-bas. C'est nous qui produisons ça. Mais voyons le prix du Maroc et puis le prix de la Côte d'Ivoire. Ici, là, on peut dire que c'est 70. 70 dirhams. Ça fait 4 200 francs CFA. Mais en Côte d'Ivoire, il y a vu que c'est presque 8 000 francs. 8 000 francs. Pourtant, c'est nous qui produisons le. Nous sommes les premiers producteurs de cacao. C'est 150 grammes à 69,90 dirhams. Ici, c'est 450. 450 grammes. 44. 44, 90. Donc, 450 grammes. Et voici le prix. Ça veut dire que tout ce qu'ils ont fait ici, là, tout ça, là, c'est importé. Hein. Même chose comme chez nous. Mais ici, c'est moins cher que celui-même qui produit, qui fabrique mondialement le cacao. Ça veut dire que avec quelqu'un qui est payé à 190 000 ici. 190 000. Pourtant, en Côte d'Ivoire, les gens sont payés à 70 000. Vous voyez la différence. Donc, ça veut dire que quand les gens viennent, tous les jours, moi, j'entends qu'on cherche les investisseurs. Quand les investisseurs viennent là-bas, c'est-à-dire combien les gens qui travaillent là-bas, combien ils reçoivent comme salaire. C'est ça le problème. On est ici, là, c'est pas parce qu'on est content, hein. Mais la façon dont on gère le pays, là, c'est ce qui fait que les gens fuient le pays, venus souffrir chez d'autres personnes ici. Sinon, tu vois même, vous voyez même certains, par exemple, comme en Europe, comme ça. De la manière, on paye aussi le salaire aussi, là. C'est comme ça aussi, on paye aussi les prix des choses. Donc, quelqu'un qui va payer maison, quelqu'un qui va payer tout ça, là, comment il va s'en sortir? Donc, c'est ce qui a fait que je suis venu faire cette vidéo. Pour que, souvent même, on nous insulte, hein. Allez-y chez vous. Mais le chez vous, là, nous qui sommes sortis, là, quand on voit le système, là, c'est pas parce qu'on est à l'aise, mais quand même, on voit que le système est un peu bon. Donc, on est obligé de rester dedans comme ça, malgré les petits trucs qu'on nous, certaines, c'est pas certaines personnes, c'est pas tout le monde. Il y a des gens, ici, là, ils ne peuvent jamais gâter leur nom, hein, sincèrement. Parce que si ils trouvent qu'ils s'aiment, ils s'aiment entre eux ici. Mais chez nous, là, c'est pas le cas. Chez nous, là, on ne s'aime même pas du tout, du tout, du tout. On est divisé. Ici même là, ici, tu vas aller acheter quelque chose, quelqu'un va te dire, ah ouais, ça c'est le prix, ça, si tu ne connais pas, ça c'est moins cher, ça c'est cher. Mais chez nous là-bas là, ils vont te donner un prix. Ils vont te donner le prix même que ce que tu ne connais pas. Ça veut dire que, ok, voici, si comme ça, la dernière fois j'ai acheté ça, ce sucre là, j'ai acheté la dernière fois, 1 kg carreau de sucre. 6 dirhams, ce qui fait 360. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, là, un morceau de sucre blanc, en Côte d'Ivoire, il y a vu là-bas que ça coûte 850. Tu vois, avec un salaire de 70 000, quelqu'un qui va dépenser ça, comment il va s'en sortir? Hein? Ah, c'est pas bien. C'est pas bien. Donc, c'est le message que je suis venu faire pour vous montrer. Malgré la souffrance, mais on est dedans comme ça.